tu pourras aller aussi les anges familiers à tout le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, masturbateur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, droguer, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, fumeur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, alcoolique, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, ivrogne, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, monsieur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges familiers, parcours le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pécheur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, buveur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? La sainte famille, parcours le ciel, et sans vaincu, en arrivant, et toi, enfin, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu pourras aller aussi? La sainte famille, parcours le ciel, ils sont vêtus en habit blanc.
Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous te saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Nous n'avons plus de temps à parcourir la buvette là-bas. Mais le temps qui nous reste, c'est le temps de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est le temps de mettre des amis dans ton âme. C'est le temps d'examiner l'état de ton âme. C'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. La vie cachée que tu es en train de mener. Un jour, tout va se présenter sur un grand écran. On va te montrer le film de ta vie. Quel est le film que tu es en train de tourner en cachette? Tout sera exposé. Tout sera exposé. Ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Je te le dis en vérité, en vérité. L'enfer est réel. Et le paradis aussi est réel. Mais Jésus ne veut pas te voir en enfer. C'est pourquoi il a envoyé le groupe Jésus revient. Pour venir te dire de mettre de l'ordre dans ta vie. De te donner, de lui donner ta vie. Donne ta vie à Jésus. Renouveau. Les temps sont finis. Renouveau. Mettez de l'ordre dans votre vie.
bénit ton nom. Renou le convo. Renou sa de bon, mina, ibo na da ou da ya. Mi mo sa de ou renou mon an kou de sisteme. Ou la gida na ou ya de nou kode me. Kèzou ni ou an ou e man e gida ya. Kèzou le gida ya. Jésus t'appelle. Non, Victor, qu'est-ce que il a eu? Jésus t'appelle. Qu'est-ce que il a eu? Dans ta vie à Jésus. Cette personne que nous t'aimons. Venez à Jésus. Cette personne que nous t'aimons. Jésus t'aime. Mais oui, Jésus, quand Jésus t'aime. Le diable t'a menti. Vous devez croire que Jésus-Christ n'est qu'un messager. Jésus-Christ n'est pas un messager. Jésus-Christ est le message. Jésus n'est pas un messager. Mais Jésus-Christ est le plus grand message. Le message d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Venez à Jésus. Jésus-Christ veut dire Jésus. L'amour de Dieu est la porte. Il dit si je vous tape la porte, voici, me voici pour vous. Vos cœurs, je vous tape la porte. Et acceptez que je puisse entrer dans vos cœurs pour manger, pour participer. Il est mentionné là. C'est que ça, dans la poubelle. Dans la masturbation, dans la fornication, dans la polygamie, à courir derrière les femmes. Tu as déjà trois femmes et tu n'es pas satisfait. Et tu cherches la quatrième. Oh, tu as un problème de gourmandise sexuelle. Répondez-vous. Renouvelez-vous. Mettez de l'ordre dans votre vie. Jésus-Christ vous appelle. Jésus vous appelle. À la repentance. Mettez de l'ordre dans votre vie. Venez. Venez à Jésus. Toi sorcier. Jésus t'appelle. Arrête de manger la viande de la chair humaine. Comme Rourdo. Arrête de détruire la grossesse des gens. Et remplis de toi, avorteuse. Jusqu'à quand tu vas continuer d'avorter? Que ça suffit. Donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Les temps sont finis. Mais nous les comment? Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous sommes noyés. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le retour de Jésus-Christ, c'est imminent. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Le retour de Jésus-Christ, c'est imminent. Toi, braqueur, répands-toi. Un jour arrive, tu seras ravagé. Toi sorcier, qui mange la chair humaine, répands-toi. Sinon un jour arrive, ta chair sera détruite. Ta chair sera détruite. Mais Jésus t'appelle à la repentance. La repentance. L'amour de Dieu s'est manifesté en chair.
mettant la main sur toi. Qui t'appelle? Ne mets pas. Pourquoi? Dans l'iniquité. Ne commets pas cette erreur. Ne mets pas dans l'iniquité. Ne mets pas. Ne mets pas. Ne mets pas. Ne mets pas. Dans l'iniquité. Dans l'iniquité. Ne mets pas dans le jésabalisme. Toi religieux, voici ce nom. Satan t'a menti. Oh, les badas, tu m'en as. Pour te faire croire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Oh, mais Satan même sait dans son cœur que le seul chemin qui conduit au ciel, Jésus-Christ. 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 Le diable t'a menti. Je te dis la vérité. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Mais il est la plus grande prophétie. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas un messager. Mais il est le plus grand message. Le message d'amour de Dieu à toute l'humanité. Vas-tu accepter ce message? Vas-tu accepter le message? Jésus t'appelle maman. Maman, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Jésus-Christ a beaucoup de projets dans votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Sans Jésus-Christ, sachez que votre âme est en prison. Vous pouvez être en bon point dans la chair, mais dans un esprit, vous êtes chétif. C'est Jésus-Christ qu'il vous faut. Mon frère, il ne moissonnera. Je te dis en vérité, tu es en train de tourner un film. Un jour, on va te présenter sur le grand écran le film de ta vie. Tout ce que tu as fait en cachette, le nombre d'enfants que tu as avortés, le nom de personnes que tu as escroquées, toutes les fois que tu as été chez les marabouts, chez les féticheurs, pour enfouter ton mari, on va te montrer. On va te montrer. On va te le montrer. Tu seras tremblant. Tu seras en train de pleurer. Seigneur, pardon, je ne savais pas. Ce soir,
Ce soir, Jésus m'envoie te dire, tant que tu es encore vivant, la grâce de Dieu est là pour te sauver. Mais cette grâce, c'est au moment tu es en train d'écouter le message, et tu te mets en cause, et tu te répands, et tu demandes pardon à Dieu. Mais si tu dis, non, la grâce de Dieu là, je vais encore continuer un peu. Dieu va nous faire grâce. Je te dis, repens-toi. La bague sanoura que tu as mis sous ton étalage, c'est la preuve que tu as fait mariage avec Satan. Tu n'as fait pacte avec Satan. L'appel que tu as porté pour attirer les clients, c'est une alliance que tu as fait avec le diable. Et je te dis que le diable ne fait pas de cadeau. Si le diable te donne 25 francs, il va te prendre 100 000. Et il va reprendre tout ce que tu as. Et il va prendre ton âme. Alors repends-toi. L'idolâtrie ne sauvera pas les idolâtres. L'occultisme ne sauvera pas les occultistes. Le fétichisme ne sauvera pas les fétichistes. Je te dis, mettez de l'ordre dans votre vie. Maman, Jésus vous aime. Que la paix de Jésus vous visite. Que la miséricorde de Jésus vous visite. Mais ne négligez pas ce message. Ne négligez pas l'évangile de la bonne nouvelle. Mettez de l'ordre dans votre vie. Je vous le dis en vérité, en vérité. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont en enfer, en train de pleurer, en train de demander pardon à Dieu. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare. Un homme riche en enfer. L'homme riche en train de pleurer. Et demande à Lazare de plonger sa main dans l'eau et de lui envoyer une goutte d'eau. Mais Abraham lui dit, c'est trop tard. Au moment où tu étais sur terre, tu n'as pas pris ton temps à profit. Mais tu as passé tout ton temps dans la vie pour boire ce que tu veux, pour coucher avec les femmes que tu veux. Mais aujourd'hui, te voilà dans les souffrances. Je te dis en vérité, en vérité. Si tu vis sans Jésus-Christ, si tu vis comme un chien sur terre, si tu vis comme chien sur terre, tu vas mourir comme chien. Et en enfer, tu seras traité comme chien. Toi qui trompes ton mari, toi qui as beaucoup de copains, tu couches avec plusieurs hommes. Et tu penses que c'est parce que tu es belle. Et les hommes courent derrière toi. Mais pourquoi? Les démons vont te déchiqueter. Mais Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. Alors donne ta vie à Jésus. Fuis le monde maintenant. Fuis le monde. Le bateau de Jésus. Le bateau de Jésus. Le plus grand bateau. Le plus grand bateau que Dieu a envoyé sur terre. C'est le bateau de Jésus. Ce bateau est vaste. Ce bateau est ouvert. Et veut vous accueillir. Entrez dans le bateau de Jésus. Rentrez dans le bateau. Rentrez dans le bateau de Jésus. Il y a le déluge de feu de l'Éternel qui veut descendre. La colère de Dieu arrive. Si tu n'es pas dans ce bateau, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui arrive au temps de Noé.
parole de Dieu. Quand mon Noé parcourait la terre pour parler de repentance aux hommes, les hommes se moquaient de Noé. Les hommes le traitaient de vieux fou. Oh! Mais quand le déluge est arrivé, ils ont cherché à rentrer dans le bateau de Noé. Mais le bateau était déjà très très loin. Aujourd'hui, il y a un autre bateau, plus grand que le bateau de Noé. Ce bateau s'appelle Jésus-Christ. Le bateau est ouvert pour les accueillir. Alors, venez à Jésus. Venez, maman, venez. Ma maman, Jésus vous aime. Jésus vous appelle dans son bateau. Venez dans le bateau de Jésus. Le bateau de Jésus. Le bateau de Jésus. Rentrez dedans. N'êtes pas dans ce bateau. Les sorciers vont vous piller. Les sorciers vont vous torturer. Les sorciers vont vous maltraiter. Mais si vous êtes dans le bateau de Jésus, c'est le bateau de l'assurance tout risque. Le bateau de sécurité. C'est le bateau de la paix. C'est le bateau de la joie. C'est le bateau de l'amour de Dieu. Viens dans ce bateau. Rentre dans ce bateau-là. Le bateau est ouvert. Mais dans quelques instants, le bateau va fermer sa porte. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester dehors? Si tu restes dehors, il y a un déluge de feu. Il y a un déluge de feu qui s'annonce. Qui va ébranler la terre? La terre sera ébranlée. La terre sera ébranlée. Répandez-vous. Toi, femme chrétienne, toi qui dis que tu vas à l'église, mais tu mets les mèches de Mami Wata sur la tête. C'est pas le Jésus de Nazareth que tu adores. Toi, femme qui dis que tu es déjà chrétienne, mais tu as encore les paris de Jézabel. Et tu portes les perles, tu portes les strings, tu portes les collants pour tourner les fesses devant les hommes, pour séduire les hommes. Combien d'hommes as-tu séduit aujourd'hui? Combien d'hommes as-tu séduit aujourd'hui? Tu rendras compte. Tu rendras compte. Le monde d'hommes. Le nombre d'hommes que tu fais chuter par tes accoutrements, par tes parures, tu rendras compte. Repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Un jour arrive, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Toi, femme, le client est venu payer chez toi. Tu devrais lui donner monnaie 500. Tu devrais lui donner 500. Mais tu lui as remis 300. Et tu as gardé 200 francs. C'est l'argent d'autrui ne va pas te profiter. Au contraire, tu es en train de mettre ça dans une poche trouée. Repentance. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Il le moissonnera. Ce que tu es en train de semer, tu vas le moissonner. Alors, repentance. 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 Les temps sont finis. Jésus vous appelle.
de miracles. Jésus vous appelle. Attends, Jésus t'appelle. Maman, Jésus vous appelle. Jésus, l'ami. Jésus vous appelle. Jésus le miracle. Jésus vous appelle. Jésus le miracle. Jésus vous appelle. Jésus le miracle. Les temps sont finis. Nous lève. Les temps sont finis. Nous lève. Jésus vous appelle. Jésus le miracle. Maman, Jésus t'aime. Maman, Jésus le miracle. Maman, Jésus vous aime. Maman, Jésus y en oublie. Jésus vous appelle. Jésus y en oublie. Le jour arrive. Ce que chacun aura semé. Il le moissonnera. Un jour arrive. L'homosexualité ne sauvera pas les homosexuels. Ouais. Et sous nous, on oublie. Et sous un jour arrive. La sodomie ne sauvera pas la sodomie. Un jour arrive. La prostitution ne sauvera pas la prostituée. Ma soeur, combien de copines as-tu? Le nombre de numéros que tu as sur ton portable. Je te dis la vérité. Je te le dis en vérité. Tu rendras compte. Jésus vous appelle. Jésus est rentré dans le marché de Benjamin ici. Pour vous appeler à la repentance. Repentance. Maman, je te dis. Jésus-Christ t'aime. Je vous le dis en vérité, en vérité. Toi, religieux, qui dit je suis né catholique, je vais mourir catholique. Alors, catholique, je suis né musulman, je vais mourir musulman. Mais tu ne dis jamais je suis né chrétien, je vais mourir en Jésus. Tu ne dis jamais ça. Aucun catholique ne peut entrer au ciel. Aucun musulman. Le seul chemin. Le seul chemin s'appelle Jésus. Je peux te dire, tu vas me lapider, je vais te dire merci. Tu peux me lapider, je vais te dire merci. Les gens ont lapidé Étienne. Tantis, Jésus t'aime. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Le temps que tu as fui Jésus là, c'est trop. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Vous les femmes qui mettez les mèches. La nuit, vous voyez des serpents en train de danser sur votre tête. Mais vous avez invité les serpents vous-même sur votre tête. Jésus vous appelle. Sortez. Sortez de l'ignorance. Maman, Jésus vous aime. Maman, Jésus veut te voir au ciel. Donne ta vie à Jésus. Jésus, c'est pas. Jésus, c'est pas affaire de catholique, c'est pas affaire de quoi. Jésus, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Jésus vous appelle. Maman, Jésus t'aime. Jésus t'appelle au ciel. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ. C'est imminent. Mais vous voyez ce qui se passe dans le monde. Regardez cette affaire de Corona. Regardez le nombre de personnes qui sont mortes dans le monde entier. Est-ce que ça ne vous dit rien? Mais c'est le grand signe qu'il y a une grande colère qui s'annonce. Mais Jésus ne veut pas que vous subissiez cette colère. C'est pourquoi, arrivé à la maison, va sur tes genoux, plaire à Jésus, demande-lui pardon pour tes péchés. Jésus vous appelle. Maman, Jésus t'aime. Jésus t'aime, maman. Jésus Christ t'aime. La parole de l'évangile te pénètre. La parole, l'amour de Dieu te visite. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Donne ta vie à Jésus. C'est très important. Les amulettes que tu as sous ton lit ne peuvent pas te sauver. La calebasse de sorcellerie ne peut pas te sauver. Ta calebasse que tu as sous ton lit, ça ne peut pas te sauver. Cette calebasse,
C'est une alliance que tu as fait avec Satan. Mais Satan n'est pas gentil avec quelqu'un. Mais pour voir. Mais Jésus ne veut pas que tu meurs dans l'ignorance. Toi qui fais ça, repentance. 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 Toi qui maltraites les enfants d'autrui. Repens-toi. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Un jour arrive. Le copinage ne sauvera pas les copains copines. Les jours sont finis, les temps sont finis. Mais est-ce que Jésus t'a envoyé sur la terre pour que tu passes 24 heures sur 24 au marché? Est-ce que c'est à cause de marché que toi tu as créé? Maman. Maman, si tu fais un peu le marché, nous il faut penser un peu à ton âme. Parce que si tu passes tout ton temps au marché, ton âme est enchaînée au marché. Si tu meurs, que diras-tu? Jésus t'aime. Jésus donnez votre vie à Jésus. Maman, Jésus vous aime. Maman, Jésus vous aime. Les temps sont finis. Jésus t'aime. Tu sais que Jésus t'aime. Depuis longtemps, Jésus t'appelle, mais tu es en train de résister. Tu es une grande servante de Dieu, tu le sais. Jésus t'appelle. Reprends le chemin avec Jésus. Jésus t'appelle. Les temps sont finis. Maman, Jésus t'aime. Jésus vous appelle. Maman, Mika Sakaria. Jésus t'aime. Si tu penses un peu au marché, il faut penser à ton âme. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tonton, Jésus t'aime. Tonton, Jésus t'aime. Jésus-Christ est rentré dans le marché de Benjamin. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les sorciers qui ont mis en otage votre vie maintenant. Je prie que le manteau de Jésus-Christ descende dans ce marché. Vous libérez comme ça là. Même les sorciers aussi disent amen. Oh, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Même si tu es sorcier, Jésus t'aime. Et Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer de la sorcellerie. Arrivez à la maison. Il faut prendre le Azeka là. Prends la calebasse. Et dis à partir d'aujourd'hui. Toi, calebasse de sorcellerie. Je te brise au nom de Jésus. Je te brise au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dois briser? Rien ne va arriver. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi, sorcier dans ce marché, qui envoûte les gens pour les empêcher d'aller de l'avant. Quand tu vois que l'étalage de l'autre monte plus que ton étalage, tu commences par lui envoyer des missiles. À partir de maintenant, je détruis tes missiles. Je détruis ta missile. J'envoie le feu devant sur ta calebasse. Là où ta calebasse de sorcellerie se trouve, le feu devant localise. Le feu devant le localise. Le feu devant le localise. Le feu devant. Ça localise. Ça détruit. Tu dois venir à Jésus. Si
Si tu n'as pas Jésus, tu es comme un prisonnier. Tu es prisonnier de l'enfer. Tu es prisonnier sans le savoir. Même les messes que tu as mis sur la tête. Des serpents. Tu as mis des choses, des sirènes sur la tête. Des choses du monde des eaux. Et quand tu dors, tu te vois dans l'autre, ça ne te dit rien. Est-ce que tu es poisson? Mais tu te vois chaque fois dans l'eau. Je te le dis en vérité. Repentance. Les temps sont finis. Jésus vous appelle. Nous ne sommes pas venus vous caresser dans le mal. Nous ne sommes pas venus te caresser dans le péché. Nous ne sommes pas venus te dire ce que tu aimes entendre. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Mais nous sommes des soldats de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous descendons quelque part, nous renversons la forteresse de Satan. Yes. Jésus vous appelle. Mettez de l'ordre dans votre vie. Le nombre d'avortements que tu as fait. Confesse-le de ton vivant. Confesse-le de ton vivant. Toi qui as fait un planning familial. Pour dire que toi tu ne veux plus jamais faire d'enfant dans ta vie. Si ta maman avait fait un planning familial, est-ce que toi tu serais sur terre? Répondez-vous. Le diable t'a menti. Le diable t'a menti. Mais pour voir les pièges qu'il a mis sur ton chemin là. Repends-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi, femme, est-ce que tu as été dotée? Mais tu es avec l'homme, tu lui as fait déjà 8 enfants. Mais tu n'as pas été dotée. Toi, homme qui n'a pas doté ta femme. Tu es en train de vivre dans le concubinage. Répentez-vous. Si tu meurs dans le concubinage, c'est l'enfer. Les temps sont finis. Mon frère vendeur de viande. Mon frère boucher, donne ta vie à Jésus. Il faut savoir que vous qui faites cette activité, il faut vous couvrir du sang de Jésus. Sinon les sorciers rôdent autour de votre viande. Et ils envoient des envoûtements sur la viande. Donnez votre vie à Jésus. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Même les sorciers qui m'écoutent en ce moment, ils sont très mécontents. J'envoie le feu de la colère de Dieu dans sur leur calebasse. Toi, sorcier qui est ici, ce soir, ton voyage ne marchera pas. Ton voyage aujourd'hui ne va pas marcher. Donne ta vie à Jésus. Si tu tentes de voyager aujourd'hui, ton avion va rater le vol au nom de Jésus. Ton avion va rater le vol. Tes ailes vont se brûler. La seule solution, c'est de donner ta vie à Jésus. Je vous le dis en vérité, en vérité. Toi, petite sorcière, petite fille sorcière. La nuit, quand tu dors, tu te vois vrou vrou en train de voler. Et tu vois que tu prends ta grand-maman pour voyager la nuit. Tu n'es pas un avion. Viens à Jésus. Il faut crier à Jésus. Sinon, si tu meurs, il y a des scorpions en enfer qui vont te piquer.
Je te le dis en vérité. Donnez votre vie à Jésus. Nous n'avons plus de temps à nous amuser. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance, maman. Maman, repentez-vous, je vous en prie. Maman, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Repentance. Toi qui as des panneaux sur ton portable. Efface. Efface-les. Tonton, efface. Je te le dis en vérité, c'est un piège. Je vous le dis en vérité. Les temps sont finis. Jésus attend de vous des actes. Les actes de repentance. Toi qui mets le sexe de ton mari dans la bouche. Repentance. Les temps sont finis. 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 Le retour de Jésus. C'est imminent. Nous sommes venus sonner la trompette ici. La trompette de la repentance. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Jésus, sortez. Jésus vous appelle. Revenez à lui. Revenez. Venez à lui. Venez à Jésus. Un temps arrive. Un temps arrive. Un temps arrive. Un temps arrive. Où ce que tu es en train d'écouter? Qui va dire? Mais où sont ces genoux qui parlaient de Jésus là? Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, venez me parler de Jésus. Et vous dites, venez. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ça arrivera encore. Ça arrivera au temps de Noé. Les gens buvaient. Les gens fêtaient. Les gens se mariaient entre eux. Jusqu'au jour la jusqu'au jour le déluge a commencé. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Jésus. Tonton. Oh, Jésus t'aime. Jésus Yuanoui. Jésus t'aime. Jésus Yuanoui. Depuis longtemps. Renoukeke. Jésus te cherche. Et de Bibaye. Il veut. Et de Bibaye. Que tu sois à son service. Et Badani Awasoye Mito. Mais tu résistes. Akadotation. Tu résistes. Et ta citation est accadé. Aujourd'hui. Egbea. Jésus t'appelle encore. Jésus te rappelle encore. Qu'il ne t'a pas envoyé sur la terre. Pour conduire moto. Mais pour conduire l'évangile. Pour conduire la bonne nouvelle. Tu es un serviteur de Dieu, mon frère. Retourne à ton poste. Retourne à ton poste. Ne laisse pas une autre personne occuper ton poste. C'est que je te dis, quelqu'un t'a déjà dit ça une fois. Mais je te le répète encore. Jésus te rappelle. Qui t'aime. Et qui t'attend. Et à ton poste. Pour t'utiliser. Ne néglige pas ce message. Jésus t'aime. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le rouleau compresseur a commencé. Le rouleau compresseur. Prépare.
Préparez-vous. Mettez de l'ordre dans votre vie. Ma petite fille, Jésus t'aime. Jésus t'aime, maman. Mais il ne faut plus t'habiller en ceci. Sinon, tu vas ouvrir ta vie à des sirènes. Et quand des sirènes possèdent ta vie, ils vont bloquer ton mariage. Mais Jésus te réserve un lendemain meilleur. Il faut couvrir ton corps. Et il ne faut pas tomber dans le piège des copains-copines. Jésus-Christ vous aime. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ, c'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, aujourd'hui, tu l'entends. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu qui a pris chair pour venir sur la terre et mourir, se donner à cause de nos péchés pour nous racheter, pour nous empêcher d'aller en enfer. Mais tu es libre pour aller en enfer. Si tu veux aller en enfer, vis ta vie comme tu veux. Vis ta vie comme un chien. Mais je te dis, une seconde en enfer, tu vas regretter. Je te dis en vérité, en vérité. Toi qui vends les ingrédients de gris-gris, quand quelqu'un veut tuer quelqu'un, c'est chez toi, il vient chercher l'ingrédient. Repends-toi. Il faut brûler ces choses. Il faut brûler ces choses. Je te le dis en vérité. Les temps sont finis. Maman, Jésus t'aime. Jésus vous appelle à la repentance. Mettez de l'ordre dans votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Je vous le dis en vérité. Jésus n'est pas affaire de religion. Même dans ta maison, tu peux adorer Jésus. Mais si tu dis, ah, Jésus est dans tes religions. Ah, moi je suis catholique. Jésus n'est pas dans une religion. Les religions sont des menteurs. C'est des menteurs. Les religions sont envoyées par le diable. Si tu sais Jésus, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Si tu veux rencontrer Jésus, va chercher la Bible. Il va te visiter. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Hallelujah! 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 Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Attendez. Jésus nous envoie ici. Jésus nous envoie ici. Jésus nous annonce. Bon, mais on dit, nous n'avons plus de temps. Donc, on nous consacre. Nous n'avons plus aucun temps. On nous envoie. On fait dans le péché. On nous envoie. Vive dans l'iniquité. Pas une loi contre la main. Plus de temps. Consacre. Mener une fille qui ne pleut pas à Dieu. Bon, disant de la voilà, demande pas de nous marier. Le peu de temps que nous avons. Le peu de temps que nous avons. On ne gagne pas de minois. On va nous répartir. Un minois, les vagues. C'est pour cela. Et là où tu es. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Jésus, y'a nous les vagues. Je ne sais pas contre de ta violence. Maman, pas la colère, maman, tout. Tu as amené une vie de péché. On avance, on avance. Je ne tiens pas compte de ta violence. Maman, pas encore. Garde ta main autour. Le temps où tu as livré ta vie à la prostitution. Je ne vais pas la main. Le temps où tu as livré ton corps à la masturbation. Je ne vais pas encore. Je ne regarde pas ce temps. Maman, pas encore. Mais ce soir, il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. La colère de Dieu va bouillonner. Oui, nous remercions. Maman, tu as arrêté de la bouillonne. Oui, nous remercions. Maman, tu as arrêté. La colère de Dieu va venir sur ce monde. Oh, merci, mon Dieu! Mon épée sera renversée!
t'appelle à la répentance. Jésus, Yahvé. Il t'appelle à la répentance. Yahvé, nous l'avions. Il use patience. Il use patience. Afin que tu sois sauvé. Toi jeune. Yahvé, gaga. Qui vit de la mondialité. Qui vit de la fornication. Qui couche avec les filles. Qui devient ses filles. Physiquement, éternellement, à la main de le monde, à la main de le monde,
maintenant. Je ne veux Satan te recevre un danger grave. Satan te recevre un danger grave. Satan te prépare. Satan te prépare. Une surprise. Désagréable. Il t'a montré la voie de la mondialité. Il t'a choisi. Il t'a montré le chemin large. Aussi quand tu te lèves le matin. Tu obéis à la voix du diable. Quand le diable te dit va à gauche. Quand le diable te dit va à gauche. Lève-toi! 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 Lève
dit chrétien, chrétien, non. Soldats de Jésus-Christ. Nous sommes soldats.
soldats, les soldats de Jésus-Christ. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux, victorieux. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux, combattants, nous sommes combattants. Combattant, combattant, combattant de Jésus. Combattant, nous sommes combattants, 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 les combattants de Jésus. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Soldats, soldats, les soldats de Jésus-Christ. Soldats, nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux. Nous sommes soldats victorieux, victorieux, victorieux de Jésus. Victorieux, nous sommes victorieux, 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 victorieux de Jésus. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Nous sommes commandos, 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 les commandos de Jésus. Commandos, nous sommes commandos, 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 les commandos de Jésus. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Combattant, alléluia, combattant, alléluia, combattant, nous sommes victorieux. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie est descendu, Élie a prié, le feu est descendu. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, son pouvoir. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, son pouvoir. Nous avons Jésus, Emmanuel, sa puissance, son pouvoir. Nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Chante-le, alléluia, 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 alléluia. Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Chante-le, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Chante allez, alléluia, 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 alléluia. Hallelujah! 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 Amen! Jésus! 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 Hallelujah! Amen! Hallelujah! Jésus est Seigneur! Amen!